Fidèle Haïti Média, moun yo, comment nous y est? Moi, gagné une information, pas t'es chaud qu'elle vote pour nous là. Pas t'es à bien chaud et bien cuit. M'souhaite qu'elle n'y ait pas de point toujours pour ne pas bouler. Natcom, nan connivence avec un paquet de gros chefs gang dans le pays d'Haïti, on série de gros chabrak qui se autorité dans l'État, et yon nan gros chef gang qui Natcom. En connivance avec lui, c'est ISO 5 secondes, mais rapport ça, c'est Dimitri Erard qui joue un rôle intermédiaire pour la cause ISO 5 secondes. Livin Youn, nan puissant chef gang qui gagne journée jodia nan Caraïbes là. M'gra bon détail. Aïe Sam Junior là, le jour que n'a fait pays, m'a boyo toujours même pensé ça après dans archive, parce que yon paquet institution nan pays ya, yon ta supposé fermé. Gon paquet gros entreprise nan pays a ka fè l'argent sou do population haïtienne nan pi fò la dan yo contribuer nan met pays a côté li la. C'est ça que fait Natcom journée jodi a li gen compte pou rann devant population haïtienne nan. Mwen genyen yon rapport bien détaillé, bien défini. Rapport ça li gen rapport, ouais, rapport ça li gen rapport avec Dimitri Erard qui n'en connivance ensemble avec Natcom, mais li rentre ISO 5 secondes dans l'obeil là, qui la cause ISO vin gen tout bois ça dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans la région Caraïbes là. Et en même temps, c'est pas seul responsable vietnamien yo, mais mouche Dimitri Erard, li gen gros bout de tonton relation avec un paquet colombien qui se criminel dernier état. Prenez chez vous, m'bral explique ou. Bral bo tout détail qui essentiel yo sa si pose qu'on est yo parce que ici on connaît déjà ti nèg tout peuple là li même c'est celle ici là nous pas serré information pas faire l'assassin ensemble avec information. Tendez bien, après la mort Jovenel Moïse et arrestation Dimitri Erard, m'a rappelé nous yo arrêté Dimitri Mkoué dans date qui était 15 juillet 2021. Yo prend Dimitri Erard si même pas fait défaut. Nous songez ça, yo arrêté monsieur, mais depuis les monsieur dans prison, pas blé Jovenel Moui dans la nuit 6.37 juillet, et yo t'après arrêté les avec Claude Joseph, oui, on va faciliter yo arrêté Dimitri Erard dans la date qui était 15 juillet, si même pas faire défaut. Mais qui s'est passé? Détail que me gagné Dimitri Erard qui connaît son chef d'ailleurs depuis sous Mateli, mais ça joue paquet privilège que un pile gros chef qui passait dans la police a pas de jui. Comprenez bien, bon Dimitri Erard est venu en limite, il était plus chef que DG police là. Comprenez bien oui. Et bien qui s'est passé? Monsieur connaît pas prêté dans pénitencier national. Oui, il est impliqué dans assassinat Jovenel Moïse, mais par rapport ensemble avec un paquet coup mafia que monsieur fait dans pays là. Ça vient la cause, mes chers amis, les gon paquet de relations qu'il fait avec un paquet de gros bandits dans la région, eh bien, les gen tan konnen les gon plan pour Natcom. Parce que Natcom, nous connaissons Vietnamien sa yo, yo impliqué jusqu'aux os dans la cause de gangsterisation dans le pays d'Haïti. Bon, m'expliquer non. Après la mort, Jovenel, j'aime dire nous, Dimitri Erard, yo arrêté, li rentré dans prison. Mais depuis la mission rentré, la mission a préparé pour évader. Et évasion qui s'est fait des masses là, c'est Dimitri Erard qui mouté plan. Et première image qui t'est venue joindre nous rappelons nous les que Dimitri Erard yo à peine arrêté, il y a mon qui dit prisonnier a pesé commissaire en dedans, pourtant n'est pas vrai. Les Dimitri Erard entré en dedans pénitencier national, les qu'elle commence à parler avec l'autre prisonnier yo, yo vinn prendre monsieur comme un VIP, comme un monde qui vraiment important dedans, parce que monsieur qui t'en dit pas prêté. Évasion t'es supposé qu'il t'en fait déjà. C'est Dimitri Erard qui sentit le pot au final, les plans pour qu'on bien marché, les retardés pour l'eau qui fait là. Vous avez ça me dit bien? Et première image qui t'est venue jouer nous, où Dimitri Erard a passé misère? Première image qui t'est venue jouer nous, les Dimitri Erard était dans la Cour pénitentiaire nationale. Nous avons son nègre qui frustré, son nègre qui chagrin, pas tout, c'est relax, après relax, li, d'autour, ni soit en boxeur ou bien en bout de shot qui t'est sous lui. Haïti, li pose, li relax, il connaît son titre, il vient de dedans. Et bien, qui s'est passé? Monsieur Gétan qu'on est là sorti en dans pénitencier, mais pour le sortir, il pas qu'à juste aller le craser barrière. Mais monsieur commencé, attendez bien ça m'a dit ah oui. Monsieur commencé par réunir yon paquet de preuves, yon paquet de screenshot, combien bien et comprendre bien, yon paquet de photos et vidéos qui impliqué mafia vietnamien yo. Parce que nèg ça va faire coup de Mateli à Jovenel.
rentre paquet zam nan peyi a, eh bien mouché Dimitri Erard, li se youn nan moun ki konn kou mafia sa yo bien parce qu'il gen bon relation ensemble avec vietnamien yo. Eh bien ki sak passé, le misye getan gen tout donné sa yo nan men, li fait appel ensemble avec un paquet bon, alors bon joueur qu'il connaît en Danatcom pour vinn porter l'aide. Mais non premier temps, directeur général à l'époque là, c'était Van Dai, comprenez bien? Van Dai ça lui-même écrasé dans Haïti. Comprenez bien oui? Monsieur vinn refuser collaborer ensemble avec Dimitri Erard. Mais étant donné Dimitri Erard, il était joué un rôle de pont pour Jovenel et puis branche mafia dans Natcom yo. Eh bien, Mouchea, li vin sous menace pour le dire, l'a commencé par mettre dehors. Première information qui a rapport avec trafic ZAM entre l'armée vietnamienne et puis réseau mafia tête calée en Haïti. Sous point ça, bon tout dit nous, Mouché Van Dai, à cette époque, qui était refusé de collaborer ensemble avec Dimitri Era pour faciliter le quitter le pénitencier national, eh bien, tout ça te impliqué dans une affaire cargaison ZAM avec balle. Yo te joint dans un conteneur en dans Caribbean Port Service qui dans la Saline. Comprenez bien oui, et tout bagage ça aussi pour monsieur marqué pour être capable jeter lui parce que aussitôt détail ça li vinn prend la rue, on prend connivance monsieur gars avec gang pour faire zam rentrer de façon illégale dans son embargo. On cargaison rempli gros galil rempli avec munitions, monsieur impliqué en parlant des anciens directeurs Natcom là, Van Dai ou bien Van Dai, je vous dis là, Van Dai ou bien Van Dai, ma maman, papa parle. Ben qui s'est passé? Là que Mouché est capable de Dimitri Erard, lui mettait information ça dans la rue, mais information remontée de Vietnam et États-Unis. Ben résultat final là, ancien directeur, yo getan wete misye nan pos li, yo pral remplacer l, alors un moun ki t'a pral remplacer pas comme même connaît s'il t'a pral. Votre coach nous remplace pour lui non, mais au gitan où était monsieur dans poste là parce qu'il pas il pas laisser créo ou bien il pas pour kembe un prestige pour kembe un standard dans compagnie Natcom, il ont directeur impliqué dans cargaison zam non pays qui si difficile et bien il tout jeté monsieur place à tête on jan vide. Mais pour aller un autre cap vini en septembre 2022 monsieur qui c'est Nguyen oui. Donc, pas qu'on est mes amis. Ça est non que ma banne, mais sou fait, sou al cliquer sou, ou al faire recherche sou non, y a bon image moun nan et c'est lui même jusqu'à présent qui actuel DGA. C'est ça que m'gen comme détail. Et ben monsieur Elvini, puisque te gen tan fait de route, li konnen ki connivance et m'capable di mafia vietnamien ou gen avec et autorité haïtienne yo à cette époque de Mateli et Jovenel Moïse. Eh bien, monsieur vini pour tenter réparer dégâts yo. Monsieur vous un paquet moun, comprenez bien oui, et pour aller discuter ensemble avec Dimitri Erard pour voir comment tu ka faire bagay la on l'autre gens. Mais Dimitri Erard pas elle pas tendez monsieur dit, li besoin un bras financier et stratégique pour monter un plan, pas gagne kakabe devant plan ça. Ça c'est Dimitri Erard pas égaré. Dimitri Erard prend formation non paquet et gros pays. Comprenez bien? Et c'est toute fou ça que Dimitri Erard te gagné. Qui la cause on est couré Michel Joseph Matin il t'a pas fouiller monsieur en basé Paul Lee il était dit joueur ça il pas ca perdre il était même offrir avec Jovenel était prend le déroné nèg en dehors il prend le deux bras ouvrir il dit vini tonton vini dans bon équipe on prend c'est même match à cause même équipe à souterrain toujours. Mais pas oublier dans rapport assassinat Jovenel Moïse, Jovenel qui te senti vraiment intimidé, il te senti qu'il vraiment pas en sécurité. Qu'est-ce qui t'est passé? Monsieur était ordonné avec Dimitri Erard pour te acheter 6 galil en plus pour le mettre dans l'équipe sécurité. Eh bien, au lieu pour Dimitri Erard te acheter 6 galil, comment il t'a acheté? Rapport d'enquête l'a dit 206 galil. Et c'est Dimitri Erard qui était responsable pour acheter ZAM pour autorité. L'aime dire autorité pour administration en place là de Mouché Mateli à Mouché Jovenel. Vous entendez? Kounia mande comment le faire facile comme ça pour Mouché Dimitri Erard, li gen accès pour l'acheter ZAM. Konverse li même yo toujours référé pour acheter ZAM pour gouvernement. C'est parce que monsieur avec un paquet mafia vietnamien, comprenez bien oui, eh bien c'est eux même li toujours checké pour voyer ZAM et un paquet ZAM qui rentre 200 galé en plus là, li pas vinn jwenn gouvernement vrai. C'est gang yo si maé ZAM yo parce que mafia tête calé bandi lek. Mais
croisé, non? Bon, continue, bah, nous détaille toujours parce que moi, je suis un grand choupette là. L'autre, j'ai intérêt pour tandem. Mais tandem, non. Mais c'est arrivé en septembre 2022. Comprenez bien? Et puis, c'était même fait une grosse déclaration. Elle dit, Nat, comme c'est pour le compagnie numéro 1, oui, dans le pays d'Haïti. Elle dit, nous connaissons, il y a un pied sous le coup. Et puis, l'autre rapport là, qui sorti depuis l'année 12 août 2019, qui dit que Nat, comme c'est une menace pour la sécurité nationale là. En pile nèg fait manger sou après ça me gal font râler sou l'ital comme ça même bon m'explique ça crée sans là mes chers amis. Et ben depuis dans ces l'île côte Dimitri Erateya j'aime te dire Dimitri Era sentil son chef li son super chef comprends bien et il bal respect a déjà en dans pénitentiaire. Et bien monsieur vle pour continuer régner dans pays a en tant que prince. D'ailleurs, vous avez fait le sentier prince lié tout bon. D'ailleurs, c'est celle qui rentre dans le village dédié. Le 12 mars 2021, après le fait côté tout policier, ça va mourir. Eh bien, dans la veille, Dimitri Rate en dedans, oui. Dans le FIEF, ils ont un patrie venu avec IGPN. C'est pas la suite, oui. Au moins, l'elfine déplacé, il montre l'en dedans. Bon, kidnappé madame Negla, ou madame Negla, elle a sorti, soldat ou crié. C'est qui m'a raté. Bon, pourquoi venir sous connexion ISO avec Mouché et Dimitri, comment dire, pour Iso vin salé jeune jodi, ah non, m'pral vini, tendez bien. Eh bien, qui s'est passé? Pendant que dans cellule là, j'aime dire nous, li connaît le pas prêté la sortie, mais li besoin soldat de yo pour aider le diriger pendant l'andan. Eh bien, qui s'est passé? Premier monde qui moute dans tête, monsieur, c'est Iso 5 secondes. Et Iso 5 secondes, qui c'est chef village dédié actuellement. Dimitri raconte Iso longtemps ça, depuis les Iso était un simple soldat, Anel Joseph. Bon, Anel Joseph, Iso c'était un chouchou qu'il était pour Anel. Comprenez bien, parce que c'était un soldat qui était plus fougueux. Comprenez bien. Mais depuis les Dimitri a entré en dedans, et capable de jouer intermédiaire entre gouvernement et Matelia, administration Matelia et Gangyo, si tu Anel Joseph, bon, Anel ouais, tout, il ne va pas le parler. Mais il a commencé à faire des détails. Comprenez bien, ça va être un pile avec PHTK qui implique non pas que Zak et Anel fait. Ouais, Anel quitte pas, parce que tu as le cachet, la caille et Gassia Delva. En pile, mon bras dit, oh, non, pas parler comme ça. Bien tant qu'on est. Ma fait babou passer mon sou blessé, doit tout couper ou pas le connaître. Tenez bien, oui. Eh bien, les messieurs, premier moun ni pensé pour qu'il fait sorti et dès le sorti dans la pénitentiaire nationale après si pour Vietnamien yo, eh bien, c'est Iso 5 secondes. Monsieur le Iso. Il dit Iso, mon cher, m'a besoin ou aider parce que m'connon longtemps en tant qu'on petit jeune en dedans. On prend des m'a rentrer dans village, m'connon, c'est un joueur ou t'es pour Anel Joseph. Eh bien, journée jodi à mon vin chef. Ben, mon cher, m'vle que ou aider avec plein que m'gagne. Comprenez bien, oui. Pour faire me quitter village là, mais nous connaissons pas give to give. Eh bien, Iso m'a dit, monsieur, qui ça qui va bon en échange toujours? Monsieur dit, tendez bien, Iso. Mais ça qui m'a gagné pour moi, pral bon, moi pral aider ou parce que m'connais, j'aime m'a gardé là ou sous pour venir une puissant chef quand même pral aider ou faire route la plus facile. Il dit, ouais, depuis c'est ça qui m'a ensemble avec technologie, appareil électronique, dernier cri. Ma bot tout, li dit comme wap bon mieux. Bon, et dans prison, ou wap bon mieux. Il dit, posons non, ma fait baboutan. Ça, c'est Dimitri Era qui a parlé ensemble avec Iso 5 secondes. Bien, rapide, vite, yo mouton plan, tenez bien, oui. Yo fait Iso, mais c'est tellement bien parlé avec Iso. Iso est en d'amour. Iso vient une illusion qu'il vient de une super puissance. Et li crée en dépendance. Comment bien, oui? Et nèg yo pas arrivé sous livré en parlant de la police. Dimitri Era, trouver on prend nanatcom yon on poids qui facile yon on puisque il gagne 25 sites nanatcom avec un paquet preuve qu'il gagne si preuve ça prend la rue toute date nanatcom dans la rue c'est avec preuve ça il fait chantage là comment bien oui et bien rapide vite plan getan mouté qui ça planier et bien yon vinn faire Iso 5 secondes tout ça vinn gon paquet gros privilège. On prend en dans Natcom, tant que Natcom bail téléphone, dernier cri, téléphone bail sophistiqué, Natcom bail ISO 5 secondes, base là en soi, internet à gogo, yon met ton paquet de caméra, un paquet de caméra de surveillance, ouais, dans la rue Port-au-Prince, c'est pas soldat ISO qui mette yo, c'est Natcom qui place yo pour chef gang ISO, nous qu'on doit les nègres en l'air à brancher câble, mais nous pensons que c'est bail population à gérer, mentor, c'est bagay gang yo qui a réglé. Mes amis, prends sans nous tendre émission ça. C'est bagay gang yo qui a réglé pour village. Tenez bien oui, yo bay Iso paquet caméra, place un paquet caméra dans des points stratégiques, ouais, dans des points stratégiques. Des drones, drone ouais dans mes Iso, c'est pas commander sur Amazon, c'est bon monde qui à l'étranger voue le pouli. Tenez, c'est l'état vietnamien par le biais de Natcom qui bay Iso 5 secondes drone ça yo. Ah oui, gen causé dans la République.
Eh bien, tendez, m'a ban plus, m'a ban plus information toujours. Eh bien, yo ba iso drone, yo avec formation pour manipuler drone yo et réseau communication radio PNH là. A dit iso gen contrôle PNH là. Tout ça kap dit depuis c'est dans radio, il a communiqué avec l'autre agent yo, iso gen tout donné ça yo. Vous entendez, j'en ai puissant vrai, li gen tout mais c'est nat comme qui facilité iso vin tout chef ça yo parce que Dimitri Era fait chantage parce qu'il besoin quitter pénitencier national. Tendez bien oui. Et bien qui ça qui passait? Ils ont mes chers amis, tendez bien. Li gen accès pour le tendez tout ça qu'a dit dans réseau nat comme à travers Siblio. C'est-à-dire moun ki proche, par exemple soldat iso yo, tout nèg sa yo yo gagnent téléphone nat comme. Vous soldat iso yo mes chers amis, yo gagnent téléphone nat comme. Et yo bay iso yon accès VIP nan compagnie ki sa accès aye iso gen rapport quotidien tout relevé téléphonique tout soldat li yo tout gang ki allié ki nan entourage li yo yo bay misye accès ensemble avec relevé appel sa yo pour le temps de tout ça dit tande bien oui nan optique pour éviter toute forme de trahison nan kan iso et chef gang iso monsieur mette un ultimatum en dans base li, un soldat qui refuse utiliser téléphone natcom que chef là ba oua pendant des iso ba oua et ben iso a tout yo avec propre mes pal parce que aussitôt refuser prendre téléphone nan c'est parce qu'on connaît on gon bagay qui louche ou manigance contre li la physio. Vous entendez bien natcom avec Dimitri Era qui facilite iso gen tout pied ça sous coup population haïtienne nan. Donc, sous l'ordre Dimitri Era, Natcom monte un système sophistiqué pour ISO, pour aider ISO, comprendre, dans l'opération kidnapping yo, et aider ISO bataille contre la police. Qu'on y a là, on y a une mission comme ça, DCB qui va supposé prendre, enregistrer, quitter l'archive pour les pays bon. Tenez bien, Abdoula, oui. Eh bien, ISO en retour lui-même, puisque j'ai tout privilège si là yo d'ailleurs ils ont kon mouto ils ont pas serré causel li mouto comment la vivent dans village li mouto la caille système de surveillance comprendre ni gon moniteur gros écran pour gen contrôle toute la rue Port-au-Prince toute troisième dans sous contrôle ISO même si ils ont dormi la caille là opération fait opération toujours échoué parce que ISO kon ça ka fait dans la police là par le biais des natcom qui baille tout ce qu'on est comme secret la police a utilisé pour manigancer pour gagner ISO gen tant comme tout bagaille. Vous entendez bien? Ou pas qu'on voit parfois nèg yo sous tête et palais national et puis la moto comme soldat pour les sous dos palais. Adje! Sous dos quelque caille, on va qui dans entourage palais. Et bien ISO qui fin jouit de tout privilège si là mes chers amis. Et bien qui ça passé? Mon cher, li kounya li koube sous ça que Dimitri Era mandel pour aider le faire. En parlant de évasion qui pral le fait des masses 2024 là. Vous allez ça me tout bien, mais c'est un pile privilège que Dimitri la cause n'a comme Bali, comprend bien aider pour le bataille contre PNH et isoler même les couber sous toute caprice Dimitri Era. C'est ça que pral bail 2 mars 2024. Ouais, avec une facilité nèg yo craser pénitencier national. Vous allez ça me tout bien. Avec une facilité et nan moment nèg yo gen tan mete audio de yo publie audio de yo gen on yo gen on dévouli que yo jeté sous palette et sous pénitencier national ou ça va empêcher nèg yo craser pénitencier national et toute police était obligé voler gagain parce que tout ça t'a passé dans radio communication ils ont été contrôle tout bon ça pour dou natcom li pa mete on comment dire en copie comprend sous nan toute radio télécommunication ça pour dire on pour message a pas passé à temps mais c'est la passé gon coupure là dans chaque pour dou bon là me parle des relations natcom comprendre gagner avec une série de gang dans pays d'Haïti qu'on a bon petit parole en 12 août 2019 bon rapport qui bail sous menace natcom pour sécurité nationale là la mwen en 2019. Yo di, natcom comportel comme yon état en don état. Et pas n'importe état étranger non. Jean natcom mette là c'est comme s'il a tout prix li vle accaparer pays d'Haïti. Et to, yo toléré par autorité yo.
Il dit autorité qui dans plus haut niveau dans pays a yo toléré vietnamien n'a comme yo. Vous savez ça me dit bien et d'ailleurs une information clé me gagner forme du c'est préval lui qui te vend téléco avec vieitel. Vieitel là qui en connexion avec l'armée vietnamienne. Ça on va parler de l'état vietnamien, c'est parce que vieitel qui c'est maman, c'est la maison mère n'a comme. Il dit si on en connexion avec l'armée vietnamienne, l'armée c'est sous contrôle l'état pays, est-ce que vous comprenez? Il dit tout ça qu'a fait là, l'état vietnamien li impliqué. Et ouais, le jour que États-Unis ta vle mené enquête sur rentrer zamyo là, connaît comment Dimitri Era li fait évader facile jusqu'à ce qu'il y trouve l'autre pays. Mon cher, même nek ki la ki c'est Nguyen Ouy Donglan, li ta supposé racher mort bay terre. Et pas ti causé. Et ben qui s'est passé? Moi l'expliquer nous dans rapport ça qui me gagne devant là qui m'a fonti li pour nous, on prend. Et ben yo dit que Natcom li font gens pour accaparer ou bien piétiner un paquet institution républicaine qui n'a rien. Mais tout ça a fait là c'est sous l'ordre palais national. Yo kembe de CPJ dans tête d'ailleurs de CPJ, gagne travail pour de CPJ fait si gang ben moun qui indexé c'est pas de compagnie Digicel que l'été utilisé si yon a comme DCBJ li vin non incapacité pour remettre rapport bien pour gain un bon détail bien raffiné par rapport avec enquête ou tapame parce que Natcom refusé bay relevé téléphonique gang yo nan pays avec DCBJ ça li clair et ça m'a dit nous là son rapport m'a regardé là dans année 2019 oui et je ne joue dans 2024. A dit son compagnie pour 13 ou bien 14 ans gen là. A il rentre dans pays am koué. Li yo vann li, préval vann li nan avril 2010, ba vieitel là, comprenez bien? Et là ça vieitel gen 60% et puis BH gen 40%, m'pa même quoi 40% ça c'est respecté vrai. Et puis yo commencé yo lancé officiellement 7 septembre 2011. Vous entendez? Et ben depuis là c'est pié n'a comme appelé sous pour nous. Par contre vieux dit qu'on pote ba nous vieux beau qui te pote ba nous, il dit living yo vinn acheter. On prend et colonne vertébrale, on paquet autorité dans pays ya. Et ben qui s'est passé? Détail que m'gen là. Yo dit m'te gon on affaire qui était là on comment qui ça non? M'oublier comme te ka dit thème là oui, dans la Tibonite oui. Gon bagaille était là dans la Tibonite côté yo t'a pral relé m'ko en grès. Même bagay et gros rat tap manje plan diri moun yo, comprenez bien? Et ben là ou te rele autorité ou pour paraître devant et cabinet d'instruction, n'a comme pas vini non? N'a comme te refusé au lieu ou te vini c'est aller, yo ta aller joindre autorité dans la Tibonite. On est koué calme à Cantave, Garcia Delva, nek sa yo gen question pour répondre population. C'est ouais. Natcom vietnamien acheté Kalmura Cantave et ont même financé campagne et Kalmura Cantave et parti causé en tout cas compagnie sacré les Natcom là son compagnie volé vicié bon pire mal que Digicel ou attendez dans rapport ça m'a regardé là 27 septembre 2018 directeur général là Natcom là yo invité l'aller dans cabinet d'instruction pas aller non c'est rendi dans la Tibonite pour aller parler avec Kalmura Cantave et Gracia Delva et Kalmura Cantave t'a fait gros pression sous m capable de juge instructeur oui gros bout de tonton pression il t'a fait sous juge là pour te empêcher de parler des dossiers ça parce que il y a été financé campagne Kalmura Cantave qui était venu vin sénateur dans la Tibonite autant de ça me dit bien et ben qui ça passé même mascon parti pour Gracia Delva chaque mois mascon parti qu'on recevoir un chèque au moins depuis février 2018 un chèque de $10,000 américains chaque mois. Soukibi, est-ce que l'agence ça c'est pour te faire des bons contrats marketing? Non. Ou Jean Moua Gassa Del va paraître? Non, spot, y a fait pour Natcom? Dit ou pas. Il dit l'acheter confiance nèg. Ah ben la bande nèg ça, monsieur. En tout cas, j'en entendais assez ça et j'en dis nous en préval t'a pral vendre et vieitel, comprenez bien et téléco, comprenez bien et puis t'a pral gagner 40% au bon revenu qui a fait qui t'a pral pour BH, même pas qu'on est si 40% ça li respecté et on dit bon ça gagne 8 ans de celui-là, depuis n'a comme te bail 79 millions de gouttes à l'état haïtien alors que vieitel lui-même il recevoir partie par là chaque mois. Bon, nous t'en déposer yo. Bah yo compliqué, bagay yo vraiment grave, même m'ap gade là, même souhaiter au moins c'est gon lot oui, mon parti, on parti dès que m'ap gade pour nous. Ça c'est parti 1, même gon lot parti de connexion Dimitri Erard ensemble avec Colombien yo.
paquet gros cartel dans Colombie. Mais pas oublier, émission ça aussi posé partager tout côté. Aussi posé prendre émission ça enregistrer les gain pays n'a besoin parce que gon paquet agrément compagnie n'a comme li gen compte pour le rendre. Yo tellement mette pied sous cou autorité yo, yo dit de 2022 à journée jodi a, c'est eux même qui vini compagnie numéro 1 dans pays d'Haïti. Numéro 1 nan fait zam entrer dans pays a, non série des armes pour l'armée vietnamienne là rentrer en Haïti, détourner zam yo et gon série des armes. Gen l'autre détail que m'pral ba nous, non l'autre émission que m'pral faire pour nous là encore, on va bien pour m'bor suite de émission ça. Important, intéressant. Non pam c'est tinèg an tout prêt voir information. Information ça yo, moi tout ça déjà kebe information ça parce que ou a besoin yo. Et pas oublier, ou même capitaine de tout, pas oublier ça, ou gen femme ou l'autre bord lo, ou bon bien 10 femme yo voye manger pour ou par le billet des marchés par nous plus transfert qui sont en marché, comprendre bien dans cause voye la manger là ou sensible pour ça, pour un grab daimoné et puis y a voye manger à comprendre. Et bien relé kounya même fait relé moun yo et alors va des marchés dans numéro ça qui c'est plus 1 786 516 63 77 ou bien plus 509 41 09 55 98. Pas oublier relé et puis ou même qui pas gbon qui pas camper son rien et bien li par l'autre non c'est Ultra bonne qui sont comprimés sous béton là qui bail en pile bon rendement là prend un grand comprimé ou gain bonne ou gain endurance mais numéro téléphone ultra bonne là c'est plus 1 954 945 08 35 ou bien plus 509 37 55 46 06 et pour si là yo qui dans États-Unis pas oublier compagnie pas de patois c'est Atomic qui bail en pile bon médicament pour qui fait gros maladie comprend bien et bien dans sens ça qui te me dit ou et bien gain un gros séminaire qui fait là pour si là qui veut intégrer compagnie Atomic pour venir faire business pour capable faire en pile exploit dans notre cap 15 juin 2024 à 7h dans après-midi débarquer vini on prend dans local là qui c'est Asian Evangelical Church qui trouve dans 2030 John Kennedy Boulevard dans Jersey City 07305 et bien admission c'est seulement $20 en dans $20 ça ou joindre un petit bob de Nazareth et ou joindre manger pour manger vente des boutons Moon Brooklyn Elizabeth Springfield Orange des pour venir commencer par relé dans numéro ça qui c'est 201 989 6652 ou bien 404 70-24-57. Faut tout secteur remettre tête en question. Faut tout secteur interroger tête. Faut tout secteur demander tête qui ça va faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804 avec une nouvelle image de ça nouvelée de Haïti. Et remise en question ça, m'koué, faut tout secteur faire pour dire en 2014, qui ça m'a changer le comportement parce que définitivement ça m'a fait avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Kone, je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement et notamment au sein du gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponner et investissement en place aide au développement. Et pensez plus fortement d'accord aujourd'hui que aide au développement c'est pas les mêmes qui mènent vers le développement. Mais Haïti justement un dilemme parce que obligé continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie pensez gouvernement a de gagner entre l'aide au développement en fait maintenant parler avec le recul puisque vous même êtes dans les affaires publiques. Je dis à ou en dehors, ou faire expérience dans notre pays, ou suivre l'expérience qui a parlé. Et qui meilleur choix que tu as de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui tarde à venir aujourd'hui? C'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie, tu as le fond pour réunion, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays.
moins après le tsunami en Indonésie, moi gouvernement indonésien Chita en tant que partenaire pour le dit communauté internationale là. Premier bail m'a fait c'est que moi mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait c'est que quand on voulait aider mais comment on voulait aider, pas autre chose. En 2004, moi j'ai travaillé en Éthiopie, moi ouais gouvernement éthiopien dit Banque mondiale que dans ces conditions monsieur prend quoi boire à le faire autre. Donc il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un bagage que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour être capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question des ressources naturelles. Moi-même, toutes les données que moi sous ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol nous, qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément nous gagne, c'est les près de, plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour nous mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que Haïtien qui a dit, au lieu de mal mettre comme la banque, la rapporter 1% semaine ça, m'a mettre dans le projet d'infrastructure qui a rapporté 6-7%. Donc potentiel de capital de diaspora, faut ne pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout qui est extraordinaire, mais pour ça, faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi liés. L'on est mettre comme leader, l'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde. Il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti. Tim va mettre 10 millions de dollars ça. Donc fort balon raison. Et raison fort balé bien, ça veut dire fort résoudre problème de propriété de cadastre, fort résoudre problème de justice. Parce que l'un est pas venu dans pays où il y a un conflit, faut le connaître que il est capable de gagner justice dans cas de conflit là et que le café de justice ça a confiance. Donc on a un paquet de problèmes pour résoudre pour rassurer investisseurs. Et si on arrive à faire barrer ça, moi, je crois qu'on arrive effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme très sport ou non, qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, il met 3 dollars pour chaque grain de dollars en diaspora. Le Mexicain envoie la CAELI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes, nous travaillons avec Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora pour chaque grain de dollars. Nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc, ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des barrières et des investissements qui rentables, par exemple, en énergie. Donc, on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaît que faut joindre quoi. Il faut que la communauté internationale ait un bel engagement que le défait de 0,7% dans le cadre OMD. Je me rappelle que tout est pas atteindre 0,7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bas encore fort, et c'est pour ça que Fora ça est très intéressant, distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour des pays émergents, toujours dit, à cap entrer dans le milieu et assistance là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons implérer l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que les gens intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on équipe bagaille comme qu'on a fait intelligemment qui pour faire comme ça arrive. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030, sont utopies? Pourquoi que faut un effort collectif et cohérent? Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va bailler pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour bailler que palais national on pays fait. Donc on croit que l'approche là faut élargir, faut reconnaître implication et importance implication tout secteur, faut bailler tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire, il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas grand problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà qu'il y a des solutions éprouvées.
mettre si moun l'école, je dis à son bail nous connons comment pour nous faire. Résoudre problème sanitaire que nous gagnons, santé que nous gagnons, c'est pas accès à l'eau potable. Tout ça, c'est des problèmes que normalement nous résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on baille les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien baille la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent nous avancer comme ça se fait un peu partout. Récemment, avant tout ça, on a regardé pour moi et avancé un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents. Et ouais, vraiment, on a regardé pour moi un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle. Ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé. Ce qui est remarquable. Mais ça, le gouvernement éthiopien a été fait. Ils font une distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils font avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de payer, pas de payer et salaire. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois que c'est un débat comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin, la population haïtienne, soulagement que l'Aptan. Très bien. Voilà, c'était docteur Gary Conille. Qui actuel premier ministre pour qu'on lève cette tête là dans la coupe d'Haïti plus des traites qui fait 9 traites et qui pral alors qui finalement capable dire officiellement monsieur arrêté à sortir dans journal officiel le moniteur paysan. OK, côté que monsieur c'est nouveau premier ministre paysan Gary Conille. Aïe 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 Haïti. Haïti chérie.